Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur ce Campus Europe, le premier campus de l'atelier dédié aux interactions européennes. Donc on est ravis de vous accueillir lors de ce Big 9, la 9e édition, donc qui naturellement met à l'honneur les principaux partenaires de la France, et notamment on démarre en fanfare avec l'Allemagne. Donc le thème de cet atelier-là, au-delà des divergences, le couple franco-allemand moteur de l'autonomie stratégique européenne. Alors, comme vous le savez, la relation avec l'Allemagne est extrêmement forte, c'est extrêmement profonde, historique, à tous les points de vue, au niveau culturel, au niveau artistique, politique, et bien évidemment au niveau économique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une certaine fertilisation croisée entre l'économie allemande et l'économie française. Alors, pour la France, hein, pour les entrepreneurs français, l'Allemagne, c'est bien évidemment le premier tremplin à l'export, avec entre 70 milliards et 80 milliards exportés par an. Et dans un contexte sous tension, on peut le dire, avec la crise en Ukraine, la crise énergétique, certaines divergences peuvent apparaître et peuvent éventuellement compromettre l'amitié et le couple franco-allemand. Alors, on va débattre avec un tour de table de qualité. Avant de les présenter, n'hésitez pas à brancher vos écouteurs et à scanner le QR code afin d'améliorer les conditions sonores de cet atelier. Alors, tour de table de qualité, on est extrêmement ravis d'accueillir les intervenants d'excellence. Alors, je présente Claire Thiriot-Comte, qui est chef du service économique régional au sein de l'ambassade de France en Allemagne, implantée à Berlin. Frédéric Berner, directeur général de la CCI France-Allemagne, implantée à Sarrebruck. Et Carsten Schlewe, qui est avocat fiscaliste, partenaire de Mazars et représentant du French Desk franco-allemand, on va le dire, entre Düsseldorf et Paris. Alors, afin de fixer les bases, afin de fixer le cadre, en 2023, quel est l'état et quelle est la typologie de l'économie allemande? C'est à moi que tu t'adresses. bonjour à tous, merci d'être venus nombreux à cet atelier. Vous le savez, l'économie allemande est la première économie de l'Union européenne. Elle représente à elle seule 25% du PIB de l'Union européenne. C'est 16% pour la France et 19% de la population de l'Union européenne, c'est 15% pour la France. Elle représente aussi presque 30% de la capacité industrielle de l'Union européenne à elle seule. Et c'est le troisième exportateur mondial de marchandises. C'est aussi le quatrième importateur mondial de marchandises. Donc, comme tu l'as dit, une destination clé pour les entrepreneurs français du fait de son potentiel propre, mais aussi du fait que l'Allemagne peut servir de hub pour l'exportation dans le monde entier. Et de fait, l'Allemagne, tu l'as dit, c'est le premier client de la France et son premier fournisseur. À l'inverse, la France est le deuxième client de l'Allemagne après les États-Unis et le sixième fournisseur. Elle importe l'Allemagne plus de marchandises de Chine, de Pays-Bas, d'USA, de Pologne et d'Italie que de chez nous. Il y a près de 5000 entreprises qui, sur le sol allemand, ont un actionnaire majoritaire français. Inversement, 3500 filiales allemandes en France. Et puis l'Allemagne, c'est aussi le premier investisseur étranger en France, en stock et en nombre de nouveaux projets, et ça depuis plusieurs années consécutives. Alors, on ne va pas se mentir, l'économie allemande n'est en ce moment pas au meilleur de sa forme. Vous le savez, c'est un pays donc très industriel, je l'ai évoqué, très exportateur, donc forcément très exposé aux aléas de la conjoncture mondiale, très engagé en affaires avec la Chine, aussi bien en tant que marché de destination que de lieu d'importation. Elle a donc été assez affectée par les problèmes de supply chain qui sont nés après la crise du Covid. Et les problèmes de demande, notamment de la Chine, dans le contexte géopolitique tendu qu'on a actuellement. Et puis, bien entendu, elle a été aussi très pénalisée, elle l'est toujours, par la hausse du prix des matières premières et de l'énergie consécutive à la guerre en Ukraine. Ça a des répercussions sur sa compétitivité, bien entendu. Si on ajoute à ça un vieillissement de la population et donc des pénuries de main-d'œuvre, il y a aujourd'hui 5,7% de chômage en Allemagne et plus de 46 millions d'actifs. C'est un record absolu, il n'y a jamais eu autant d'actifs en Allemagne. Si on ajoute ça à tous les autres mots que j'ai évoqués, et si rien n'est fait, dans
10 à 15 ans, l'Allemagne aura perdu entre 2 et 5% de sa capacité de production. En 2023, on annonce, on est déjà techniquement en récession en Allemagne, hein, puisqu'au premier semestre, il y a eu deux trimestres de croissance négative. Et donc là, pour la fin de l'année, on annonce entre moins 0,4 et moins 0,6 de croissance. Et un retour à une croissance timide pour 2024, prévue entre plus 0,9 et plus 1,4%. Donc tout ça, ça a bien entendu un impact sur le moral des entrepreneurs allemands, des investisseurs allemands, un peu moins des investisseurs étrangers, puisqu'on a bien sûr de belles annonces d'investissement sur le sol allemand qui ont été faites récemment. Je ne parle pas de Tesla, mais des semi-conducteurs, des usines de batteries, de recyclage de batteries, etc. Mais bon, l'entrepreneur allemand, lui, a un petit peu le moral dans les chaussettes, et un peu plus grave, je trouve, celui des ménages, puisque là aussi, les ménages se demandent de quoi va être fait l'avenir, alors qu'on est dans un moment où il faudrait vraiment de la confiance, et la confiance du peuple, parce qu'on est face à des transformations profondes qui doivent s'opérer dans la société, et dans la société européenne, mais aussi dans la société allemande, comme celle du digital, notamment l'émergence de l'intelligence artificielle, créatrice et destructrice d'emplois, et puis l'enjeu du climat, bien entendu, avec les énergies et la mobilité. Donc beaucoup se passe dans les têtes, parce qu'en réalité, le tableau que j'ai dressé, c'est quand même le tableau d'un pays, certes, avec les indicateurs macroéconomiques moyens, mais avec une très très grande résilience et une capacité de résistance très forte. Mais les Allemands ont plutôt tendance à voir le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Donc, voilà, et puis on a aussi un phénomène assez fréquent, quand ça va un peu moins bien sur le meilleur élève de la classe, ben, il y a une espèce de schadenfreude, disent les Allemands, une espèce de réjouissance du malheur des autres qui émerge et qui fait fleurir des titres dans la presse qu'on n'avait pas vu depuis 20 ans. Alors c'est une épreuve, c'est aussi un défi pour l'Allemagne, cette situation. Mais rappelons-nous quand même que c'est une Allemagne qui en a vu d'autres, que c'est une Allemagne qui a été capable, entre 90 et 2000, de dépenser 1500 milliards d'euros pour la réunification, qui s'en est porté très bien les 20 ans qui ont suivi. Et puis n'oublions pas que l'Allemagne est un pays qui a des marges de manœuvre, que d'autres n'ont plus. Si on ne prend que l'endettement en part du PIB, il y a 70% d'endettement par rapport au PIB en Allemagne. On est à 115 côté français. Et puis on attend un déficit public cette année aux alentours de 2%, ce qui est tout à fait dans les clous des critères de Maastricht. Et puis, last but not least, l'Allemagne, c'est un tissu entrepreneurial indépendant, celui du fameux Mittelstand, des patrons propriétaires qui décident eux-mêmes tout seuls comme des grands de leur sort, de leurs investissements. Ce Mittelstand a une capacité de résilience énorme avec des réserves, avec des trésors de guerre qu'ils ont accumulés et a une capacité de rebond et il faut leur faire confiance pour faire face à ces défis. Alors tu l'as dit, dans ce contexte, il y a des points de discorde franco-allemand. Claire va certainement en parler du point de vue politique, citer que quelques sujets, la taxonomie, hein, comment est-ce qu'on considère le nucléaire par rapport aux énergies renouvelables, la défense avec les choix de partenaires que l'Allemagne a fait qui ne sont pas toujours très bien compris côté français, et puis le point de vue sur les finances publiques avec une tendance de quoi qu'il en coûte d'un côté et puis d'orthodoxie financière de l'autre. Bon, ça ce sont des intérêts divergents, on va dire, ou des points de vue divergents, mais il y a aussi des enjeux communs entre la France et l'Allemagne. Pour n'en citer que quelques-uns, la souveraineté énergétique, bien entendu. Il nous faut une énergie décarbonée, indépendante et compétitive. Les uns font les choix du nucléaire, les autres des énergies renouvelables. Je ne vois pas où est le problème. Essayons de nous mettre d'accord sur le fait qu'on avance comme ça. Le rééquilibrage de la dépendance qui est très asymétrique vis-à-vis de la Chine. Là aussi, il faudrait qu'on mette en place, et on a tout intérêt à le faire, une politique commune par rapport à la relation avec la Chine. L'innovation. C'est bien sûr, à défaut d'assurer un leadership mondial, au moins rester dans la course sur des thématiques comme l'intelligence artificielle, les technologies d'environnement et de revalorisation, etc. Et puis accélérer les processus décisionnels en Europe. Rappelons-nous qu'il faut à peu près 7 ans entre l'idée et la mise en route d'une éolienne en Europe à cause de tous les freins réglementaires qui existent. Là, cette simplification réglementaire, les entrepreneurs l'appellent de leur vœu. Il faut vraiment qu'on le mette en œuvre en franco-allemand. Et pour terminer, la constitution d'un marché financier unifié. Il y a des réserves d'épargne privée en Europe phénoménales.
qui correspondent à X fois le PIB de nos pays. Ces réserves ne sont pas mobilisées pour les grands enjeux de transformation de nos économies qui sont à venir, tout simplement parce qu'on n'a pas un marché financier unifié comme aux États-Unis. Donc ça, c'est les chantiers sur lesquels la France et l'Allemagne doivent se mettre d'accord, parce que si la France et l'Allemagne ne se mettent pas d'accord, ça n'avance pas. Dans ce contexte, face à ces enjeux-là, l'Allemagne a vraiment besoin de l'ingéniosité et de l'agilité française qui complètent idéalement la robustesse et les moyens allemands. Donc, en préparant l'événement d'aujourd'hui, tu nous as demandé de réfléchir à des secteurs porteurs, et tu nous as dit réfléchissez à trois secteurs porteurs. Bon, j'en ai pas trois, j'en ai plus. Mais grosso modo, il y a quand même des sujets qui font que l'Allemagne est attractive pour les entrepreneurs français. Tout ce qui a bien sûr trait à la préservation de l'environnement, tous ces enjeux-là, à l'efficacité énergétique, l'immobilité, le digital et la communication. Nous en sommes, depuis le début de cette année, probablement à la cinquième création de filiales françaises en Allemagne dans le domaine de la pose de la fibre, par exemple. Mais aussi la santé, dans un pays vieillissant, l'industrie 4.0, la défense, l'aéronautique, le ferroviaire, les infrastructures, un pays qui a de grands retards de modernisation de ses infrastructures. Bref, voilà, autant de sujets qui font que c'est intéressant de venir en Allemagne et de proposer ces solutions. Et puis la dernière question que tu nous avais demandé, à laquelle tu nous avais demandé de réfléchir, c'est comment on fait, enfin, quelle démarche privilégier pour attaquer ce marché-là. Alors déjà, celle qu'il ne faut pas privilégier, c'est faire du copier-coller, c'est-à-dire je viens avec ce que je sais faire de la même manière, de la manière dont je sais le faire, et j'essaie de l'appliquer en Allemagne. C'est un pays qui est différent, où la culture des affaires est différente, il faut un temps plus long pour acquérir la confiance des partenaires allemands, et donc il faut faire ses preuves, et il faut la gagner, cette confiance. Et un des axes de développement qui a en ce moment le vent en poupe, qu'on accompagne beaucoup, nous, CCI France-Allemagne, pour des entrepreneurs français, c'est celui de la prise de participation ou le rachat d'entreprises en Allemagne, puisqu'on a affaire à une pyramide des âges de l'entrepreneuriat allemand, ce fameux Mittelstand familial, qui est favorable. Il y a plus d'un million d'entreprises qui, d'ici à 2032, doivent chercher un successeur. Et les patrons propriétaires allemands, 55% des patrons propriétaires allemands ont plus de 55 ans. C'était 20% en 2003. Et 31% ont plus de 60 ans. Donc il y a là une façon d'entrer sur le marché, de tout de suite avoir l'identité germaine en prenant des participations ou en rachetant les entreprises. Et s'il y a un effet d'aubaine dont il faudrait qu'on profite, que nos entrepreneurs profitent, on est là pour les accompagner. Merci beaucoup Fred. Alors si je résume, le couple franco-allemand reste encore crédible et encore de belles années devant lui. Et on n'a pas le choix, il faut trouver les solutions. Alors, le couple franco-allemand, la France et l'Allemagne construisent aussi une relation au niveau politique, institutionnel, sur des secteurs clés. Et cette relation se joue aussi au niveau des ambassades, bien sûr, et au niveau des projets stratégiques. Qu'en est-il des projets actuels et des projets du futur ? Bon, alors, d'abord, merci pour l'invitation. Alors, avant de répondre à ta question, je vais revenir sur la formulation du thème de la table ronde, au-delà des divergences, le couple franco-allemand moteur de l'autonomie. Alors, les divergences, il y en a toujours eu, il y en aura encore, parce qu'on est différents. C'est ce qui fait la force de l'Europe, d'ailleurs. Et vous le savez, je ne vais pas vous refaire, mais les différences culturelles, politiques, de système politique. Ah, je pensais que... Ça a été fait au départ. Bon, alors je refais rapidement. Donc moi, je suis responsable du service économique régional à l'ambassade de France en Allemagne, donc à Berlin. Voilà. Donc je vous parle avec le point de vue institutionnel et politique. Voilà, et j'espère que vous m'entendez. Donc j'étais en train de dire que les divergences sont normales, et notamment dans le couple franco-allemand, parce qu'on incarne en fait des modèles ou des cultures différentes, et quand on se met d'accord, on a un effet d'entraînement sur le reste de l'Europe. Donc c'est ça le fondement. Donc tu l'as très bien dit, donc je ne vais pas y revenir, mais effectivement, on est dans un moment un peu critique, pas uniquement pour la relation franco-allemande, mais pour l'Europe, à travers donc ces chocs qu'on a eus, Covid, la guerre, la crise énergétique, l'inflation, les taux d'intérêt qui remontent,
enfin un certain nombre de fondamentaux sur lesquels on avait tous profité depuis les 20 dernières années ne sont plus complètement au rendez-vous. Les vulnérabilités mises à jour par le Covid, on s'est aperçu qu'on était dépendant de médicaments, de masques, la crise énergétique, certains pays plus dépendants du gaz russe que d'autres. Bref, tout ça met tout le monde en tension, avec des effets macroéconomiques et microéconomiques sérieux, ce qui explique donc qu'on doit discuter encore plus que d'habitude en franco-allemand. Et c'est ce qui se passe, je vous rassure. Effectivement, on n'est pas d'accord sur tout, ça a toujours été le cas. On essaie de trouver des solutions et des compromis. On a tous, en fait, les mêmes, en France et en Allemagne, nos gouvernements, quand même, ont les mêmes objectifs partagés. Et ça, c'est important. Tu as parlé et on parle de la question de l'autonomie stratégique. On ne l'appelle pas exactement de la même manière en Allemagne et en France. Nous, on parle de souveraineté, eux, un peu plus d'autonomie stratégique. Donc, voilà, non, de souveraineté ouverte. Mais en fait, ça recouvre à peu près les mêmes réalités. On veut quand même défendre notre modèle économique, politique, social, européen et rester dans la course technologique mondiale. Du coup, où en est-on de cette coopération franco-allemande sur les sujets un peu compliqués qu'on a évoqués ? Outre donc un diagnostic commun, on n'est pas forcément d'accord sur les voies et moyens pour parvenir à ces objectifs. Donc, pour rester compétitif et augmenter la productivité, qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Donc, on se parle beaucoup. Je donnerai, par exemple, l'exemple de ces trois dernières semaines où on a vu se succéder à Berlin Bruno Le Maire, Olivier Becht, le ministre du commerce extérieur, Clément Beaune. On a à Hambourg, la semaine prochaine, les consultations gouvernementales franco-allemandes du gouvernement français et allemand qui vont discuter de tous ces sujets qui tiennent à la souveraineté européenne. On a mis et on est d'accord sur un diagnostic, il faut mettre en place une politique industrielle verte en réponse aux défis de décarbonation, mais en réponse aussi à la compétition mondiale qui est parfois déloyale côté américain et côté chinois. Donc on a fait ça ensemble en franco-allemand, vous le savez peut-être sur les batteries électriques, avec donc une coordination étroite pour arriver à créer une filière de batteries électriques en Europe. Et on commence à en voir les fruits avec donc des usines qui s'ouvrent en France, en Allemagne, de batteries électriques made in Europe, je dirais. Ensuite, on a aussi avancé, et c'est toujours en lien avec l'agenda européen, bien sûr, sur tout ce qui est souveraineté ou renforcement des capacités dans un domaine stratégique qui sont les semi-conducteurs. Donc là aussi, on a travaillé en franco-allemand et en européen pour essayer de trouver les moyens d'attirer ou de soutenir des investissements dans ce domaine qui est essentiel pour l'avenir de l'industrie et plus généralement de nos sociétés. Autre exemple précis, et ici c'est très représentatif, on a ensemble en franco-allemand lancé une initiative qui s'appelle Scale Up Europe, qui était en fait de faciliter, de renforcer les financements pour les start-up et scale-up en Europe. Et donc, on a été à l'initiative en franco-allemand d'un fonds européen qui va investir dans des fonds européens pour financer les gros tickets pour le développement des scale-up en Europe plutôt qu'elles aillent se financer aux États-Unis. Donc ça, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ça a pris du temps, mais ça fonctionne. Est-ce qu'on doit faire encore ? Donc, il y a encore pas mal de choses. Donc, tu l'as évoqué, l'énergie, c'est un sujet quand même majeur pour la compétitivité de nos pays. Et effectivement, il ne vous a pas échappé qu'on a un mix énergétique différent entre l'Allemagne et la France, qui peuvent être effectivement complémentaires. Mais aujourd'hui, on bloque un peu sur la fixation, comment se fixent les prix, etc. Donc, il y a un gros dossier qui est majeur, qui est discuté en européen, mais sur lequel une entente franco-allemande permettrait de débloquer le sujet. On n'y est pas encore, mais les enjeux sont bien identifiés comme majeurs pour la France, pour l'Allemagne, pour l'Europe. Voilà, parce qu'on n'est pas en compétition en fait entre la France et l'Allemagne, on est en compétition vis-à-vis du reste du monde. On a ensuite un accord sur le fait que, vous l'avez évoqué, les financements et les investissements sont majeurs pour affronter cette transition
triple transition qui est décarbonation, digitale et démographique. Et sans investissement, on n'y arrivera pas. Et là, il y a un petit, là aussi, une approche un peu différente qui est en Allemagne, tendance à considérer que les financements publics, ce n'est pas là que doit porter l'effort, mais plus sur les financements privés. Donc c'est le marché des capitaux, par exemple. Et nous, on dit que ça doit reposer sur les deux pieds. Voilà. Privé, financement privé, mais aussi public. Il faut des marges pour les projets d'avenir, pour la prise de risque, pour la recherche et l'innovation. Ça ne se fera pas uniquement avec les fonds privés. Et donc là, effectivement, on a un débat sur où placer le curseur dans les prochaines années sur la part réservée aux investissements publics et donc à la dette dans nos économies. Voilà, donc je crois que là, je vous ai parlé des principaux dossiers du moment. On n'y est pas encore, mais on y travaille. La volonté y est. Le moteur tourne à plein régime franco-allemand. Il n'est pas encore arrivé à destination. Il y a encore... Moteur électrique, bien sûr. Bien sûr. Mais les Allemands diraient avec l'e-fuel également. Voilà, neutralité technologique. C'est là aussi une des subtilités de la coalition allemande. Parce que dans le paysage que je vous décris, c'est qu'il y a effectivement deux gouvernements, mais en Allemagne, il y a trois partis qui gouvernent, enfin qui doivent s'entendre pour gouverner, et ce n'est pas simple. Voilà. Je ne vous en dis pas plus, mais si vous suivez l'actualité allemande, vous aurez compris à quoi je me réfère. Donc ça ne facilite pas forcément l'atteinte de consensus. Voilà. Donc avec ce message d'optimisme, même si les conditions, l'environnement est difficile, mais souvent les Français et les Allemands ont fait des gros progrès et lancé des très grandes initiatives, je dirais sous contrainte de la crise. Donc je pense qu'on est toujours dans ce schéma et donc ensemble on y arrivera. Vous, les entrepreneurs, les jeunes, etc., vous pouvez contribuer, on le voit tous les jours, à porter aussi cette dynamique. Parce que si elle est que top-down, ça n'a pas beaucoup d'effet. Et donc, en fait, nous, ce qu'on cherche à faire dans nos métiers respectifs, c'est aussi à faire des passerelles et à faire plus de coopération entre les acteurs, que ce soit les universités, que ce soit la recherche, mais aussi évidemment les entreprises. Et ce qui nous frappe, l'ambassadeur et moi, quand on rencontre des entrepreneurs français ou allemands, c'est la volonté vraiment de trouver des partenaires et l'idée et la conviction très forte que les qualités françaises et allemandes ensemble permettent vraiment de faire quelque chose de très fort. Voilà. Alors avec ce message positif, je vous encourage à aller chercher des partenaires en Allemagne et on fait la chambre de commerce et la chambre de commerce. Fait le job. Voilà, fait le job. Voilà, merci. Et on est évidemment à votre disposition, tout l'écosystème public pour vous aider. Merci beaucoup. Donc le cap est fixé. Historiquement, l'Allemagne a toujours une vision un petit peu particulière dans les yeux des entrepreneurs français. Un marché compliqué, un marché qui est marqué par une culture peut-être différente. Alors nos camarades d'Outre-Rhin ont peut-être une vision de voir le monde des affaires un peu différente. Qui de mieux que toi pour nous expliquer les méandres du franco-allemand et comment est-ce qu'une entreprise française peut appréhender au mieux le marché germanique ? Merci Florent. Vous m'entendez tout au fond aussi ou pas ? Oui, très bien. On nous a dit on peut pas, les micros ne marchent pas plus fort. Ici, il reste encore des places si vous voulez vous rapprocher. Hein. Le destin de celui qui parle en dernier, c'est que tout a été dit, peut-être ou pas. Je me présente rapidement à nouveau, Carsten Schlewe. Je suis avocat fiscaliste auprès de Mazars, un cabinet d'audit et de conseil d'origine française, aujourd'hui présent dans quelques 100 pays du monde. Je travaille dans le franco-allemand. Mon destin, c'est que mon nom de famille, mon prénom en France, vous parle pas du tout. Donc, on me demande toujours si c'est super et c'est quoi le prénom. Un peu difficile, mais j'y travaille avec mon psy, en fait, là-dessus. Effectivement,
Fred commençait à parler de la perspective macro. Je me suis posé la question ici, est-ce que je suis vraiment malade? Parce qu'on parle du Krankenmann. La Krankenmann, ça, il y a 25 ans, je crois que ça a été mis en place, l'homme malade en Europe. Est-ce que c'est l'Allemagne ou pas? Tout en bas, à l'entrée, il y a la guitare de Sting qui chantait « I'm an Englishman in New York ». Donc là, je suis un Allemand en France. Mais je travaille des deux côtés. Mais c'est très, très intéressant, je peux vous dire, d'entendre ici des commentaires sur mon pays natal. Je travaille aujourd'hui entre Düsseldorf et Paris. Je suis né à Berlin. Je me considère européen plus que camarade d'outre-Rhin. Mais je suis le camarade présent aujourd'hui ici. Il y a 25 ans, donc, ce mot de Krankenmann, de l'homme malade d'Europe, a été mis en place. À l'époque, tu le disais, on a été endetté, surendetté à cause de la réunification. On avait un taux de chômage de à peu près 12%. Et les réformes de retraite, la fameuse Agenda 2010, n'ont pas encore été passées, je rappelle. 67 ans, l'âge de l'entrée dans la retraite et pas 64. Mais entre nous, on m'avait dit de ne pas parler de retraite, pas de budget, pas de foot, mais je peux parler de rugby, je crois. Par contre, chez moi, à la maison, c'est pas connu, on sait pas ce que c'est le rugby. Donc, moi, je me considère pas comme quelqu'un d'un pays malade. Aujourd'hui, on est, comme tu l'as dit, on s'approche des 5%. On a 32% de plus d'emplois qui sont soumis à la Sécu qu'il y a encore 25 ans. La contrepartie, vous le sentez, 5% de chômage veut dire... On a un grand, grand problème de trouver les ressources. Mais là, on n'est pas les seuls. Je suppose en France, c'est la même chose. Il est parfois... je me dis parfois, c'est plus facile de trouver un nouveau client que de trouver un nouveau collaborateur. C'est vraiment... C'est le défi qu'on ressent aujourd'hui en Allemagne. Et je peux vous dire, ça s'appelle Fachkräftemangel. C'est un joli mot allemand. Fachkräftemangel, c'est le défi aujourd'hui. Est-ce que l'Allemagne est parfaite? Je ne crois pas du tout. Je crois pas du tout. On a des défis aussi. On a la transition énergétique comme tout le monde. On a aussi à assurer un niveau de formation et d'apprentissage exemplaire. Parce qu'avec les salaires que demandent nos jeunes Allemands quand ils sont en relation avec nous pour postuler, ben, il faut la contrepartie, il faut rester sur un niveau de formation et d'apprentissage d'excellence. Il faut avancer la digitalisation. Parfois, avec ma compagne française, je me dis, ah ben tiens, c'est un peu plus digital en France qu'en Allemagne. Et moi, je me compare pas toujours à la France. Et je trouve qu'ensemble, comme on a 40% quand même du PIB européen ensemble, c'est pas le moment maintenant de se combattre l'un contre l'autre. Je sais pas ce que c'est les mots Schadenfreude en français, mais c'est pas le moment, je dirais. Et il faut avancer ensemble. Donc infrastructure, plus digitalisation, infrastructure ferroviaire, surtout ferroviaire en ce moment en Allemagne, c'est le sujet. Mais comme tu le disais, peut-être on a encore un peu plus de marge d'investissement. On s'approche de 60-65% du PIB pour les dettes, mais pas plus. Donc on a un peu plus de souffle peut-être aussi à investir. Je trouve qu'avec les 83 millions de consommateurs allemands, quand même, on reste un pays très, très attractif. Et on est proche géographiquement. Culturellement, on va voir ce que ça donne. Et là, je vais en revenir maintenant. Avant de se lancer, parce que tu disais, on est rigide, on va voir, est-ce qu'on est toujours à l'heure, peut-être plus que vous, mais ça, c'est des clichés, mais qu'il faut en tenir compte, en fait. Avant de s'y lancer, avant d'investir, avant l'oser l'export, comme c'est le mot de la semaine aussi, l'oser export, j'apprécie beaucoup votre approche France 2030 et tout ça. Ça me rend fier ici d'être aussi, ici sur scène. Avant de se lancer, les études de marché, ça sert quand même à quelque chose.
n'y allez pas tout de suite, mais il y a des experts pour ça. Avant de se lancer, avant d'émettre un business plan, une étude de marché, ça fait jamais du mal. Hein. Ça coûte un peu d'argent, mais ce n'est pas grave. Mazar travaille depuis très longtemps avec Business France partout dans le monde. Ce sont des experts aussi, eux, organisés en filières, qui pourraient, eux, vous servir à quelque chose pour vraiment sentir si c'est le bon moment, si c'est le bon secteur, et d'ailleurs aussi si c'est la bonne région. L'Allemagne n'est pas centralisée, Berlin est la capitale, le pouvoir d'achat se trouve petit à petit aussi à Berlin, mais plutôt dans un croissant ou une banane, c'est moins romantique, je le sais, entre Hambourg, Düsseldorf, Cologne, La Ruhr, Francfort, Stuttgart et Munich. On ne peut pas oublier Bielefeld, c'est pas connu, mais c'est très actif. Donc là, réfléchissez avant. Après, le business plan. Et après, nous, on invite nos clients toujours rapidement à mettre en place une entité légale allemande. Parce que où vous allez cumuler des pertes, et je ne rentre pas dans le détail fiscal, que vous pouvez difficilement utiliser après pour l'entité légale finale qui sera celle qui va dégager les bénéfices après. Et l'Allemand adore acheter auprès des Allemands. Donc ce qui veut dire, même si la marque, le produit est d'origine étrangère, une GmbH allemande, une SARL allemande, ça crée dans une telle sorte, une certaine confiance aussi. Pour vendre aux Allemands, il ne faut pas parler allemand, ça, pour vous rassurer. Mais ça sert quand même. Parce que créer de la relation, comme j'essaie de le faire là avec vous, ça marche mieux dans votre langue que dans la mienne. Et ça marche encore plus dans un monde où on parle tous un anglais moyen et que les malentendus se créent à partir de 3-4 emails où moi, je commence à flipper un peu. Je dis, arrêtons d'envoyer des mails. Vous ne vous comprenez pas, vous parlez d'autre chose. Donc, apprenez la langue, l'Institut français, l'Alliance française. Il y a l'Université franco-allemande à Saarbrück, où on m'a demandé d'être membre du conseil universitaire. Ce sont des institutions qui aident à aussi avoir une autonomie, je dirais, européenne, et à avancer et à créer quelque chose qui tient la route. Donc, parlez la langue, et si vous vous dites, comme beaucoup de Français qui me disent, apparemment, la vie est trop courte pour apprendre l'allemand, embauchez des gens qui parlent allemand. Puis finalement, créer des partenariats locaux avec les notaires, avec les avocats, avec les gens qui vous aident à trouver la clientèle, etc. Vous n'êtes pas les seuls si vous investissez en France. Vous n'êtes pas les seuls et il y a un réseau qui vous accompagne. Ce qu'il faut éviter pour moi, tu le disais, c'est l'arrogance culturelle de dire « j'ai créé quelque chose ». C'était plutôt visible dans les années 90. Il y a des étrangers qui arrivaient, qui investissaient un peu, qui étaient fiers de leurs produits et qui se disaient ben, « on est connu, on ne fait pas de pub et ça va se faire ». Ça ne s'est pas fait, en fait. Mais je crois qu'on a tous avancé, on est tous plus global, cosmopolite, je crois que ça marche, en fait. Après, reste peut-être l'ignorance culturelle, possible que... On peut parler des clichés, rigidité. Un meeting en Allemagne à 10h commence à 10h, point la ligne. Un meeting Teams, le français est là à 10h03 et l'italien à 10h10. L'allemand a déjà raccroché parce qu'il fait la gueule. Possible, hein, tout ça. Mais on peut s'adapter et on peut aussi sourire, comme le fait Florent là, sourire de ça et décoder ça en fait. Ça sent le vécu. Oui, 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 mais tous les jours. Avec ma compagne aussi, d'ailleurs. Oui. Et... tout ça pour dire, adaptez-vous à la culture locale. Pour finir, une expansion trop rapide, pour moi, ce n'est pas ce qu'il faut rechercher. Ayez du souffle lent, de la patience et faites ça step by step avec des équipes locales, avec des équipes voilà, locales, une gérance, country manager, pour moi, local est mieux qu'autre chose. Et
communiquer et non pas seulement par Teams, mais visitez-vous, restez en contact. Ça, ce sont mes conseils et recommandations dans un monde franco-allemand qui, pour moi, est fait de business, people's business. Ce sont les gens qui se parlent, ce n'est pas la tête, mais c'est l'âme et les sentiments qui c'est les relations et les rencontres qui font la vie. Merci. Merci beaucoup à vous trois. Alors, si je résume, le franco-allemand, c'est une richesse. Et j'ai même envie de conclure avec ces termes, que c'est une évidence. En fait, le couple franco-allemand, c'est une convergence. Et c'est une convergence qui est extrêmement fructueuse pour à la fois les Allemands, les Français, mais bien évidemment tous les Européens. Alors, vous avez la possibilité de poser quelques questions, d'interagir, de rebondir. N'hésitez pas à solliciter... Oui, bonjour, Amaury Biran d'Eau Vive. Une petite question sur les fusions acquisitions. Nous, on est dans le domaine de l'environnement, traitement des eaux, on recherche potentiellement des cibles en Allemagne sur le sujet à acquérir. Quel est votre conseil sur le sujet? Quelle est l'approche la plus intéressante? Un mot là-dessus. En effet, je le disais lors de ma première intervention. On n'entend rien du tout. On n'entend rien. Là, ça va? Je le disais lors de ma première intervention, il y a en effet un moment allemand intéressant sur cette thématique-là, avec une pyramide des âges de l'entrepreneuriat familial allemand qui est favorable, avec des entreprises qui cherchent un second souffle, qui n'ont pas nécessairement la famille comme issue possible. Alors, en Allemagne, la transmission, elle est beaucoup plus familiale, elle reste beaucoup plus en famille qu'en France. La fiscalité sur les successions y est favorable. Mais il n'empêche, voilà, c'est autant d'effets d'aubaine. En revanche, ma recommandation par rapport à ça, c'est pas nécessairement de regarder que le marché vendeur, surtout si l'acquisition qu'on vise n'est pas nécessairement une grande entreprise, hein, une petite société. Comme on a une pyramide des âges qui est favorable, l'approche, la définition du portrait robot idéal, et puis d'aller regarder les entreprises qui existent et qui correspondent à ça, puis de les approcher pour envisager un partenariat. Donc les Allemands parlent de KBU, Kooperation, Beteiligung, Übernahme, donc coopérer, prendre des participations et racheter. Cette progression-là, ce discours-là, peut donner, susciter des envies, donner des idées à des entrepreneurs qui n'étaient pas encore vendeurs, mais qui, puisqu'on les approche, sont ouverts. Et du coup, on est les premiers avec lesquels ils discutent. Parce que tout le monde des entreprises qui sont à vendre et qui ont déjà confié des mandats vendeurs, lui, bien sûr, il est pris d'assaut par des investisseurs d'un peu partout dans le monde. Première recommandation. Deuxième recommandation, miser sur son identité, justement, d'investisseur étranger qui, en faisant une acquisition, va chercher à investir. C'est un investissement stratégique. Il va chercher à investir dans la cible qu'il rachète pour assurer la présence sur le marché allemand, mais aussi sur d'autres marchés à l'international. Ça, c'est des arguments qui sont intéressant à faire valoir auprès des cédants, parce que leur préoccupation, c'est de pérenniser leur œuvre. Et donc, savoir qu'on a un investisseur stratégique qui va continuer à investir sur l'entreprise, c'est clé pour eux, quoi. Donc, prospecter en Allemagne, en ayant dressé un portrait robot, regarder, faire un screening le plus large possible de toutes les entreprises qui existent et qui correspondent, les approcher, c'est un travail fastidieux qu'on peut faire pour vous, pour voir qui, dans cette long list, arrive à une short list de gens qui sont ouvert et intéressé par la discussion et pour avancer. Et j'ajoute une dernière phrase. Mon sentiment, c'est que celui qui vend sa société familiale est favorable à un acheteur qui vient de France. Parce que, imaginez-vous, il a 58 ans, il vend sa boîte, il va rester dans le village où il a son entreprise. Donc, il va voir tous les gens, tous les soirs, qu'il a vendu, quoi, entre guillemets. Moi, je crois qu'il y a un climat très, très favorable à des investissements et à des acheteurs de France. Et c'est d'ailleurs une certaine fertilisation croisée. On peut aussi citer les entreprises allemandes qui viennent en France et qu'on accueille, bien évidemment, les bras ouverts. D'autres questions, d'autres remarques ? Bonjour, alors Claire Venard, je fais partie de l'équipe Team France Export à Nantes. Une question un petit peu métaphysique, mais j'accompagne des entreprises qui recherchent le collaborateur parlant l'allemand.
C'est devenu un problème. Donc vous parliez tout à l'heure de passerelle. On a l'impression qu'en une génération, la passerelle pour se comprendre entre français et allemand, c'est l'anglais. Quelles sont les mesures qui sont prises pour justement nous permettre de parler la langue de l'autre ? Le problème a été bien identifié, effectivement, effet générationnel, les jeunes, qu'ils soient français ou allemands, ne vont pas forcément apprendre la langue du voisin d'Outre-Rhin. Donc, il y a des programmes, alors c'est pas ma partie, c'est plutôt nos collègues du service culturel qui portent cette politique, c'est-à-dire de faire en sorte déjà de prendre très tôt, au niveau des écoles en Allemagne, de faire des programmes un peu bilingues, ou en tout cas avec le français de nouveau comme langue enseignée. Parce qu'il y a plein de lycées ou d'établissements où en fait le français n'était même plus enseigné. Voilà. Donc c'est de repartir avec un bâton de pèlerin et avec, je dirais, un argument très, très simple qui est de dire ça ouvre beaucoup de portes d'apprendre le français pour un Allemand, parce qu'effectivement, il y a toute la partie qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire la densité des échanges économiques, touristiques, etc., mais économiques en particulier. Et donc, voilà. Et dans le sens, vous le savez, il y a aussi cet effort qui doit être repris et poussé. Et c'est également une politique en France. Ça ne marche pas forcément. C'est pas des choses qui se décrètent. Il faut redonner envie, il faut redonner, avoir des structures, plus de profs d'allemand dans les écoles, dans les lycées. Je crois qu'au niveau de l'université, ce contrôle de Marsten, puisqu'il a cette expérience de l'UFA, il y a vraiment maintenant cette ambition de faire des doubles cursus franco-allemands, et avec évidemment un accent important sur la langue. Je crois que la Chambre de commerce à Paris, donc la Chambre de commerce et d'industrie allemande à Paris, a aussi un programme, plutôt pour les post-bac, mais également où cette dimension est prise en compte. Mais vous avez raison, c'est un facteur qui explique aussi un relatif éloignement. Bon, on est tous dans un monde qui a changé par rapport à il y a 60 ans, traité de l'Elysée. Et il faut reconstruire, il ne faut pas laisser en fait cette relation sans pilotage. Elle a besoin d'un investissement à très haut niveau pour que tous ces leviers soient actionnés. Et ça ne se fait pas forcément spontanément. Voilà. J'ajoute un seul chiffre, l'université franco-allemande à Saarbrück gère quand même 200 doubles cursus franco-allemands, donc 200 universités franco-allemande des deux côtés, donc qui facilite l'apprentissage des deux côtés. Zum Schluss, comme on dirait, il ne me reste plus qu'à vous remercier toutes et tous pour votre attention. Merci beaucoup pour votre intérêt sur le sujet franco-allemand. Merci à nos intervenants. Merci d'être venus d'Allemagne et on vous donne rendez-vous pour le prochain atelier. Merci beaucoup. Merci bien.